Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, ça fait longtemps que j'avais plus fait, c'est un JT Block. Alors j'avais un peu arrêté d'en faire parce qu'honnêtement il n'y a pas grand chose qui sort, vous verrez le JT Block est assez court, enfin il fait 5 ou 6 minutes. Il n'y a pas grand chose qui sort en ce moment du côté chinois, par exemple Le Pain fait moins de 7. Et il y a eu aussi une période où il y avait beaucoup de Ninjago. Et moi je suis pas très fan des Ninjago, alors c'est vrai qu'il y avait peut-être des fans de Ninjago. Mais voilà, toutes les marques faisaient du Ninjago donc j'ai pas vu trop l'intérêt d'en faire. Par contre, maintenant que ma chaîne est un peu plus connue, puisqu'on est quasiment à 3600 abonnés, ben j'ai quelques personnes qui m'écrivent « Ouais, c'est dommage, tu fais plus de JT Geek, on sait plus ce qui se fait, montre-nous ça. » Donc je me suis remué un petit peu les fesses et j'ai dit « Je vais vous faire un JT Geek. » Alors vous verrez, parce que je me souviens que sur mon dernier JT Geek, il y a des personnes qui m'avaient dit que je parlais trop vite ou qu'ils ne comprenaient pas les noms chinois. Donc maintenant, au haut de l'écran, vous verrez, il y a une petite incrustation de la marque chinoise au début, avec un petit effet lumineux derrière, on appelle ça des loops, je sais plus quoi, enfin c'est hier soir je regardais YouTube et je suis tombé sur une vidéo tuto Sony Vegas comment faire cet effet, donc j'ai dit tiens je vais faire ça, c'est mieux que d'avoir le nom en blanc. Donc vous me direz si c'est lisible, ce que vous en pensez, et vous allez voir, je vais vous montrer les mini figurines. Alors en ce moment ce qui est très à la mode au côté chinois, c'est déjà tout ce qui est mini figurines, donc ça je l'ai encore commandé. Alors ça peut-être que vous le verrez mal, c'est des mini figurines Breaking Bad. Donc il y a pas mal de séries qui sortent, il y a vraiment beaucoup de séries, donc j'ai commandé pas mal de mini-figurines. Surtout que je vous l'ai dit, ben, on va arriver à février, donc il y aura le nouvel an chinois. Donc je vais vous faire des petites vidéos, vous savez, je vous ai déjà fait des petites vidéos sur les... Il y avait quoi? Il y avait les Voltron, alors c'était pas les Gumman, je me suis trompé, c'est les Voltron, les Cosmo 4, les Pirates des Caraïbes, Dragon Ball. Donc là, je vais bientôt avoir des Aliens, il y aura un petit Predator, c'est quoi que j'ai commandé? Des Slam Dunk aussi. Donc je vais vous faire des petites vidéos comme ça aussi que je calerai de temps en temps le soir. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, j'ai pas arrêté les compatibles en briques que je vous l'ai dit. J'en ai un qui traîne par là, un ATST. Voilà. L'ATST, il faut que je le finisse, que je commence. Il faut que je finisse le Faucon Millenium qui est là-haut aussi. Mais ça prend du temps à assembler et voilà, j'ai pas toujours beaucoup de temps malheureusement. Déjà, rien que la préparation de la vidéo, ça prend du temps. Là où il y a le JD Block, j'ai dû aller chercher des images de qualité, les mettre, faire la composition, rajouter les petits effets, faire le dialogue derrière. Donc c'est pour ça que comme je ne vis pas de YouTube, et je pense pas que je suis prêt d'en vivre, j'ai pas toujours le temps de faire ce que je voudrais vous faire. Je peux pas passer mes journées à travailler dessus. Donc en tout cas, vous allez voir, il y a des nouvelles marques. Oui, alors en ce moment, je vous disais, les Chinois sont à fond sur les jeux à la Battle Royale. Donc c'est pas Fortnite qui font beaucoup, mais c'est PUBG. Alors je me rappelle plus du nom entier du truc, c'est Battle Underground. Enfin c'est le jeu qui traîne... Alors je me trompais dans la vidéo, je vous ai dit qu'il était sorti sur... PS3, mais en fait non, il est sorti sur Xbox. Donc vous verrez, il y a ça, il y a des nouvelles marques chinoises. Il y a aussi une nouvelle marque qui a l'air assez sympa, qui s'appelle Panlos, mais pour l'instant ils n'ont sorti qu'un set. Et côté grande marque, je trouve que ça s'est calmé. Xingbao ne sort pas grand chose d'intéressant. Et Le Pain, pour l'instant, il n'y a pas grand chose non plus. Donc je vous laisse voir ça en image, et puis on se retrouve après ce petit JT Block. A de suite les amis. Et nous commençons donc par Le Pain. Alors Le Pain avec un mecha de King of Glory. Après, vous voyez, il y a du super héros. Ils ont aussi fait une nouvelle version du bateau dans la bouteille, donc ils sont inspirés d'une célèbre marque de briques en plastique. Et bien sûr, vous allez voir, il y a nos éternels ninja, donc Ninjag, Ninjago, enfin, voilà, tout ce qui a rapport avec les célèbres Ninjago. Donc là, ils se renouvellent pas trop, je trouve. Vous avez aussi cette petite série de figurines asiatiques, il paraît que ce serait la marque Bozy qui appartiendrait aussi à Le Pain. Ensuite, vous avez en technique, voilà, deux véhicules, donc pas grand chose non plus de ce côté-là. En Xingbao, pour l'instant, il n'y a rien qui sort, quoi. Il y a toujours deux ou trois véhicules militaires, mais c'est tout. J'ai pas essayé parce qu'ils sont assez chers. Nos amis de SY, qui est aussi SNB d'ailleurs, la même marque, qui sortent en ce moment des Batman, enfin des Bat-Héros comme ils appellent ça. Donc il y a différents modèles, je vais vous en tester dans pas longtemps. C'est celui-là d'ailleurs que j'ai commandé, la Batcave. Voilà, comme d'habitude, ils font aussi les comics, donc Spider-Man, les Marvels. Eux aussi, ben, ils ont du Ninjago. Et je vous ai mis une petite photo, c'est pas trop mon truc, mais sachez-le, ils font aussi des briques pour les filles. Ah,
Ah, JLB, alors JLB, ils font des mini-figurines qui sont pas toujours terribles. Mais ils ont des 7 Ultraman, mais je les ai pas encore trouvés sur les sites chinois. Donc j'ai des mini-figurines Ultraman que je vous testerai. 5 au lieu de 6 parce qu'il manque des pièces. Mais voilà, j'aimerais bien trouver ceux-là de personnages Ultraman. Ils font aussi ça, ça va être des sortes de Kinder Surprise sans chocolat en Chine. Je pense pas qu'on nous les vende avec ces petites coquilles d'œufs, malheureusement. Une nouvelle marque qui s'appelle Quan Guan. Donc eux, c'est très inspiré de PUBG, là, un petit jeu de combat un peu à la Fortnite, mais qui est sur PlayStation. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de figurines qui sont inspirées de ce jeu. Il y a deux cools, le retour de deux cools avec des Ninjago. Apparemment, ils vont copier les Lego Brick Heads. Vous voyez, il y a toute une série qui est préparée. Et il y a ces 7 qui m'intéressent, parce que c'est les gardiens de la galaxie. Voilà, des super-héros. Mais c'est vrai que voilà, les gardiens de la galaxie, ça c'est tort. Il n'y a pas grand monde qui propose ces 7. Une nouvelle marque peut-être, pour l'instant ils ont sorti qu'un véhicule, c'est un Léopard 2, ça s'appelle Panlos la marque. Donc j'ai vu ça sur AliExpress, mais pour l'instant voilà, ils ont fait qu'un modèle, à voir par la suite. La marque Elephant qui nous propose des figurines PUBG encore une fois, ou du moins très inspirées de ce jeu. Donc là c'est pareil, c'est une nouvelle marque, c'est Van Gogh, qui elle aussi fait des kits PUBG. Voilà, au niveau de la mini-figurine, vous allez voir, c'est impressionnant. Il y a de plus en plus de produits. Là encore, il y a une marque chinoise, heureusement que j'ai marqué les noms en haut, parce que c'est Sanhe, qui propose des figurines de Voltron. Donc elle non plus, j'ai pas encore trouvé sur les sites chinois. Elles ont l'air sympas, j'avais testé un mini 7-Eleven de leur marque qui était pas mauvais à construire. Une nouvelle marque encore, HY, qui fait un petit set expédition, je sais pas ce que ça vaut honnêtement. Une autre nouvelle marque, LY, donc pour les noms ils sont pas très inspirés, et ça doit être du King of Glory si je me trompe pas. Donc c'est un petit jeu sans portable qui a l'air de bien marcher chez eux en Chine. Ça non plus, j'ai pas trouvé. Vous voyez que pour le logo, ils sont toujours pas très inspirés. SY, LY, HY, c'est toujours les mêmes couleurs. Senbo qui est aussi SY, Shenyang, qui nous sort quelques belles figurines King of Glory encore. Une nouvelle marque aussi, Idea Box, qui propose des sets de figurines. Et vous voyez, c'est les signes du zodiaque chinois. A voir s'ils sortiront d'autres boîtes comme ça. Et puis voilà, les mini-figurines Pogo, Cop, il y a différentes marques. Donc je vais encore vous faire des petites vidéos sur ces séries. Là, j'ai Breaking Bad, j'ai Alien qui va bientôt arriver. Walking Dead, je les ai. Donc ils en sortent tout le temps. Puis voilà, vous avez les marques principales, c'est Pogo, il y a Cop. Après, il y a JLB, mais JLB, pour l'instant, je trouve que c'est pas terrible. Souvent, il manque des petites pièces. Vous voyez, il y a encore du Star Wars. Des super-héros. Là j'ai commandé aussi le Predator et la Hatsune Miku. Donc il y a vraiment de belles figurines, les Mask Rider aussi j'ai commandé. Donc je pense que ce mois de février vous aurez quelques petites vidéos assez courtes sur les mini figurines. Voilà, alors vous voyez c'était quand même assez court, par contre il y a des nouvelles marques, alors je sais pas ce que ça vaut. Alors je vous l'ai dit, j'ai acheté des figurines JLB, c'est des petits Ultraman. Donc je vous ferai une vidéo bientôt, par contre le problème en fait c'est que c'est une série de 6, et il y en a un où il manque la tête. Et j'ai des mini Minecraft aussi, et il y en a un où il manque des parties du personnage. Et le problème en fait c'est quand vous les achetez, vous les assemblez, et s'il en manque vous pouvez faire une réclamation. Et moi comme je n'ai pas toujours le temps, des fois je reçois des paquets, je les mets de côté et je les assemble un mois après. Là par exemple j'ai assemblé ce petit set de Catwoman. Mais voilà, je l'ai reçu il y a un mois, donc je peux pas écrire au vendeur et dire il manque des pièces. Moi j'ai validé et puis j'ai dit je regarderai plus tard. Donc ça c'est un petit peu dommage, alors je vous le dis, quand vous commandez des mini-figurines, vérifiez-les de suite, enfin, dans le jour ou le lendemain qui arrive, assemblez-les, comme ça après s'il manque une pièce, vous pouvez faire une réclamation au vendeur. Ne faites pas comme moi, voilà, moi j'ai mis de côté, j'ai attendu et...
En même temps, c'est pas grave, hein, c'est des trucs qui coûtent 5 euros les 6 figurines. Mais bon, c'est toujours un peu chiant, quoi. Je vais vous montrer une série de 6, il n'y en a plus que 5. Donc vous l'avez vu dans la vidéo, voilà, je trouve que ça manque un peu de nouveauté. Moi, j'aime bien tout ce qui est véhicule de pompiers en technique. Pour l'instant, il n'y a rien qui sort, il y a toujours mon préféré qui est là. J'ai vu qu'ils avaient une sorte de Jeep, mais elle n'a pas une jolie tête, en technique pompier. En Star Wars, bah, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Alors, je sais pas s'ils vont copier les sets de Star Wars Han Solo, mais déjà, les sets Lego officiels sont pas terribles. C'est franchement pas top. Au niveau du procès Lupin, j'ai pas une nouvelle. Pour l'instant, Lupin fait encore ses sets. En plus, vous avez vu, je vous l'ai dit dans la vidéo, apparemment, il y a un petit set de mini-figurines asiatiques. Ça serait la marque Bozy. Et maintenant, c'est Lupin qui les fait, donc apparemment, Lupin aurait aussi la marque Bozy. Après, vous avez la marque Senbo, qui possède SY, Shenyang. Et je vous l'avais dit quand j'avais fait mon quasi alerte rouge. Dedans, il y avait une pièce en carton qui était une pièce en carton d'une boîte SY. Donc je pense qu'en fait, il doit y avoir que deux ou trois grosses sociétés qui ont différentes petites marques pour noyer le poisson. Et puis là, vous l'avez vu, il y a plein de nouvelles marques. Alors, je sais pas, j'arriverai à vous tester les petits véhicules d'exploration. Là, de la marque, c'était HY, je crois. Alors, ils mettent HY ou LY, c'est plus pratique pour nous. Sinon, après, voilà, c'est comme SY. Normalement, c'est Shenyang ou Shenyan, mais c'est un peu chiant à dire pour un Européen. Donc, je sais pas quand je vous ferai un nouveau JT Geek. Je vais essayer d'en faire plus régulièrement, mais voilà. Je vous le dis, ça dépend aussi de ce qui sort en Chine. Et là, à part les mini-figurines où il en sort quasiment tous les jours, côté 7, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces nouveautés, qu'est-ce qui vous intéresse. Si vous avez vu les 7 Ultraman JLB, les gros, hein, pas les petits, je les ai là. Dites-moi où. Pas de noce, c'est sur AliExpress. Et c'est quoi? Oui, c'est la marque Hanse, qui commence par H, là, Once. J'ai pas encore trouvé non plus les Voltron. Et sinon, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, c'est un petit pouce et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. A bientôt les amis.